Suban Brasta. Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la playroom de ce nouvel épisode de Far Cry Primal, chers amis. Et donc, je me suis renseigné, apparemment pour les gros machins, il faut avoir des pièges. Donc voici les fameux pièges en question. Placer ces pièges cachés pour surprendre les ennemis et repousser les prédateurs. Donc voilà ce qu'il nous faut absolument pour combattre ces commandants, ces chefs. Écoutez, je vais en faire un. Deux pièges, une bombe à piquant. D'accord, faudra que j'améliore tout ça. D'accord. D'accord, d'accord. Ok. Et au niveau des compétences, nous avons 8 points, chers amis. Donc là, il y a beaucoup de choses à... Il y a des choix à faire. Alors, est-ce qu'on les garderait pas, justement, pour avoir ces trucs-là? Ou est-ce qu'on les met directement 6 points dedans? Oh, même, on peut peut-être même les mettre les 8, carrément. Non, il nous en faudra un de plus. Il nous en faudra un de plus. Ça nous ferait une barre de santé supplémentaire, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. On va rester comme ça, je pense. Nous, on va se diriger, pour cet épisode en tout cas, vers notre ami ici. Et on va aller essayer de crafter quelques pièges. Je crois que c'était ici, non? C'est ici, effectivement. Parfait. Bon. Allons-y. On a 500 mètres. C'est pas trop loin. Pendant, vu le territoire ici là dans lequel on est, c'est chaud. Hop. Bouffle, parfait. Où est-ce qu'il est le corps? Il est ici, hop. Oh la gueule. Ils ont complètement incendié la forêt encore une fois. Bonjour monsieur. Monsieur ou madame? Monsieur je pense. Hop. Ok, nous on va par là, on va par là, on va par là, on va par là. Ok, il y a danger. Il y a donc... What the fuck, un cerf blanc. Un cerf blanc, chers amis. Ou un cerf roux, peut-être. Vas-y, va le bouffer. Là, c'est intéressant. Niveau quantité de bouffe, c'est véritablement intéressant. Par contre, quand il esquive mes flèches comme ça, ça me fait vraiment pas plaisir. Voilà, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Hop, et l'enroue. Parfait. Je prends. Peau de bête x6. Peau de grand élan roux, il n'y a plus de place pour, dans le sac pour ces objets, d'accord. Donc j'imagine qu'il y avait trop de viande. Et nous sommes. Oh là là, nous sommes au camp. Oh là 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 là. Catastrophe, chers amis, catastrophe. C'est quoi ce camp? On envoie la chouette, on a 200 mètres, ça va être beaucoup trop loin, j'imagine. C'est quoi ce camp? C'est carrément une ville. Ils sont vraiment 100 fois plus avancés que nous. C'est pas la peine. Faut que je vienne avec des renforts. C'est pas possible que je le capture à moi tout seul, ce truc-là. Ah, je peux la ramener. Hop. Remarque, en pleine nuit, j'aurais peut-être avoir mes chances. Hop. Ok. Il y a des nôtres dedans. Ils
J'en ai un, ça? Ah non, c'est... Oh, la gueule. Oh, la gueule. On est mort. Compte tenu de leur puissance, on est forcément mort. Puis il n'y a que des élites, je peux pas en attaquer un seul. Si je viens de par là, cela dit... Ah non. Les tireurs d'élite. Oh, le campement de la mort. Le campement de la muerte. Le campement de la muerte, chers amis. Je pense qu'il va falloir qu'on mette des points dans quelque chose. Largage d'armes, ça peut être pratique. Ou alors on en met là. On peut même tout faire. Deux et trois, cinq et trois, huit. Allez, on y va. On sacrifie nos points. Voilà, donc elle peut larguer des bombes, elle peut tuer des élites. Et elle récupère plus rapidement. Si je peux larguer une bombe. Pile au bon endroit, ça peut être bien. Hop, largage de bombe. Attention dans 3. 2, 1. Oh merde, si c'est bon. Hop là, toi tu meurs. J'en ai eu 2. Non, je suis désolé, je suis un peu loin pour me faire repérer là, cette distance. Je suis un peu loin pour me faire repérer à cette distance. Pas exagérer non plus. Ils ont fait sortir des gens. Oh la gueule! Oh, c'est mort. Hein. J'ai plus de viande. Venez les mecs, hein, y a pas de problème. On voit la chouette, elle va aller attaquer les autres trous du cul là. Si elle y arrive à temps. Ce que j'aimerais beaucoup. Ce que j'aimerais beaucoup. Allez, vas-y, bouffe! Voilà. Et de 1 de plus. Faudrait que l'autre y vienne. Va le bouffer celui-là. Hop. Bouffe. Lui, il est bientôt là. Mais non. Seriously? D'où vous venez, vous? Hop. Putain, mais ils sont trop balèzes. Ils sont carrément balèzes. C'est pas possible d'être aussi... Oh la gueule. Bourlet.
Mais non. Ok, levez les bras. Putain, 3. Seriously, 3. Sérieux? Tiens, voilà, bouffe. Prends-moi ma sagaie. Oh la gueule! J'ai jamais autant chié dans la colle. Tiens, nourris-toi. D'abeilles, parfait. Tellement de cadavres. On va envoyer la chouette. C'est elle qui fait tout le boulot, mais fuck it. Ah merde, j'aurais dû faire le. Ah non, attends. Je vais faire le piège d'abord. Voilà, vas-y. Vas-y, vas-y, tu vas voir, ça va être rigolo. Ça va être rigolo. Je vais me marrer. Oh la gueule. C'est des lions? Des loups. Merde, j'espère qu'ils vont pas m'attaquer. Hop. Voilà. Prochaine, il y avait le boss là-bas. Il n'y a pas un seul qui est tombé. On en profite. On avance. Hop. Détaché. Détaché. Hop. Vas-y, mange. Profite à fond. Oh, la gueule. Oh la vache. Hop. Faut se mettre à couvert. Il va incendier tout son village, de toute façon faut pas se voiler la face. Hein. Il va le faire rien que pour m'avoir. Putain. J'ai pas de chemin pour passer par là. Oh la gueule. Oh! Putain, c'est lui le boss! Tiens, bouffe! Allez! Bouffe-le! Aïe, vache! Le camp est en train de prendre complètement feu. Il faut que je refasse des pièges. Non, vas-y, va-t'en. Viens me voir. Fait mal hein. Vas-y, viens.
Hop. Tiens, à genoux. Putain. Il se met pas à genoux. Ok. Tiens, bouffe. C'est quoi même? Aïe. Et si on essaie un autre truc? Putain, il est solide hein. C'est chiant ça hein. Oh la vache. Faut que j'essaie autre chose. Putain, s'il s'approche comme ça, c'est pas bon. Vas-y, ramène tes fesses. Ramène tes fesses. J'attends, moi, l'ami. Vas-y, je t'attends. Vas-y, vas-y, non, vas-y, reprends ton souffle. Vas-y, viens. Viens. Putain, je l'ai raté. Meurs. Je vais te jeter tout ce que j'ai à la gueule. Allez. Je vais te jeter tout ce que j'ai à la gueule. Voilà. Wouh. Putain de boss à la con. Oh putain. Ces mecs qui endurent tout. Tout, les flammes, les flèches, les sagaies. Les abeilles. Le mec, s'il avait survécu au combat, il serait infirme. Wow. Non. Ah, d'accord. Ah. Santa Isila Sush Dugishtaris Batai Sushalain Winja Dagwash No Sushalain Guana Purkalash Winja Purkalash Dahata Kotihutstor Dachisla Purkalash Dachisla Dachaita Bon Uno Guash Guash Ti wenja mim guama. Winja guashta. Par contre, l'emmener au camp, c'était pas les mêmes idées que j'aurais eu. Hein. Honnêtement, par contre, il me faut absolument mes armes que j'ai lâchées. Faut que je les récupère. Oh putain, il m'a ramené au camp. Non, mes armes. Quoi chouadar chagwaifa. Les miens. Easy la pasti. Par contre, ça me fait chier pour mes armes. Mais reprends là, la bombe à feu, voilà. Oh la gueule. Ah non, il l'a pas amené au camp. Si, il l'a amené au camp. Putain, j'ai perdu toutes mes armes. Oh, quelle horreur. Vite, allons voir si on peut pas les récupérer. Oh là 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 là, quel con. Quel con, quel con, quel con, quel con. Ça fait mal. Non, 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 j'ai tout perdu. Toutes mes armes. Oh la gueule. J'en ai jeté des centaines sur sa gueule. Non. Ah, attendez. Non, j'ai tout perdu. Quelle horreur. Quelle horreur. Bah, il va y avoir un entre-deux confection, les amis, je vous raconte pas. What the... Chercher, hop. Graisse animale x2, argile du nord si tu veux. Os. Wouah, l'entre-deux confection qu'il va y avoir.
Oui, d'ailleurs, faut que je réanime tout le monde. Voilà. Ok, bon, bah un gros fort. Un gros gros fort d'en récupérer. C'est assez sympa en soi d'ailleurs. La hutte du chef. J'ai arrêté de me brûler à chaque fois que je fais quelque chose. Se reposer. Chercher, j'ai vu chercher. Enflammer sa guet. Et je l'ai vu le chercher. Ou alors c'est au-dessus. Chercher, d'accord. Ok, peau de chèvre. Waouh, c'est la fête. Ok, bon. C'est pas grave. Il va y avoir de la confection à faire. Ok, bon, bon, bon. Voilà. Putain, c'est un endroit sacrificiel en fait ici, d'accord. Et vous faites quoi? Vous tentez de rattaquer le camp là? À deux? Enfin, vous me direz, je l'attaque à un. J'ai plus du tout de flèche. Oh la gueule. Ok, hop. Je vais peut-être m'envoyer des sagas à la tronche, s'il te plaît, ce serait sympa. Ça fait toujours très très mal. Bon, il y va pas. Il y va pas. Bon, c'est pas grave. Là, il y a de la viande là. Viande. Meurs. Putain. Meurs. Nom de Dieu. Ouh. Bon, ça c'est fait aussi. Viande fois 6. Voilà, ça ça fait du bien par où ça passe. Qu'est-ce que... Allez, cours, cours. Bon bah reviens. Ce qu'on appelle la fuite. Bon bon bon. Ouais, va y avoir vraiment besoin de plein plein de choses. Je sais que vous allez me dire de, bah non, récupère les trucs. Mais oui, mais si je les récupère. Peau de loup blanc, parfait, je peux en faire une. Peau de mammouth, je peux en faire une aussi. Peau de jaguar, parfait. Bah voilà, j'ai le maximum de pièges. Ça c'est plutôt bon signe. Les couteaux frenzy, il faudra que je les fasse aussi. Ah non, ça c'est les couteaux de pierre simple, d'accord. Les tirs à la quête, tête sont mortels, pardon, d'accord. Peut renverser peut traverser la plupart des masques ennemis. Ah, ça c'est cool. Pierre du sud rare, il m'en faut 4, d'accord, j'en ai pas 4. Sandoros. Alors il y a lui aussi, oui, effectivement, vous n'avez pas encore appris comment fabriquer les bombes. Bah voilà, j'ai appris à les faire. Les couteaux frenzy, faire attaquer leurs alliés, ça peut être sympa aussi. On va le faire. Enfin les couteaux berserk, effectivement, c'est comme ça que vous les appelez. Ceinture de lanceur de couteaux, peau de blaireau, d'accord, ok. Bon, on a confectionné un maximum de choses. Là il nous faut des pierres du sud rares aussi, encore une fois. D'accord. Au niveau des points de compétence, on en a un. Ce qui n'est clairement pas suffisant, il nous en faudra plus. Le coût en ressources ne change pas, donc ça veut dire que j'en fais deux pour le prix d'une, c'est ça en fait. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Et ici, il faut qu'on aille faire ça. Bon, on va se rentrer au village déjà. Map, 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 ici. Ok, on se rentre au village. Mince, c'est pas ce que je voulais faire, mais bon, oui, pourquoi pas. Hop, on se rentre au village.
Hop, je marque les noms des épisodes. Hop, voilà. Crac. On va rigoler sur les noms des épisodes en tout cas. Vous allez bien pouvoir vous foutre de moi. Alors, déjà, bim, 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 bim. Voilà, on prend tout. Ça fait bien, ça fait du bien, bien du mal d'ailleurs même. Pierre du Sud, d'accord, ok. Peau de blaireau, ça tombe bien, je crois que j'en avais besoin d'une. Et d'une seule. C'était ici, non? Voilà. Quelle ambiance. Peau de singe, d'accord. Faudra que j'aille farmer du singe, d'accord, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Effectivement, il y avait elle à aller voir, la chasseuse. Et je voulais aussi... Ah oui, non, d'abord je vais aller la voir avant de... De chier dans la colle. De mémoire, elle est... Voilà, elle est là-bas. Hop. Parfait, on améliore. Et voilà, elle atteint sa hutte niveau 2. Et je crois qu'elle va me donner plus de... De peau, de mémoire. C'est sympa en plus. Elle est sympa la sienne. Elle est vraiment sympa. Un instant. Re, chers amis, re. Alors, K, compétences. On a ceci. J'ai bien envie d'essayer de mettre des points dedans. Au niveau de ça, voilà. Hop, et je vais mettre un peu plus, un peu moins de dégâts de chute. Voilà. Et donc j'ai envie de voir. D'accord, donc ça, pour le même niveau en fait, j'en fais plus. C'est pratique. Tout à ce moment là en fait. Ok. Ok. Bombe à feu, on est bon. Couteau de pierre. Je vais tout faire au max pour être sûr de pouvoir aller farmer un petit peu entre deux épisodes. Voilà. Ok, parfait. Ça, on est bon. Je n'ai aucune idée de la durée de cet épisode. Attendez, je reviens. Donc, on est à peu près à une demi-heure de vidéo. Peut-être qu'on peut en faire un petit peu plus. Est-ce qu'on va farmer, chers amis? Est-ce qu'on va farmer? On va aller farmer un petit peu de compos. Au moins les compos de base. Récupérer un maximum de tout ce qu'on peut. Ça peut être sympa. Oh. Qu'est-ce que c'est? Chercher. Peau de singe, d'accord. Ok. Ça va être sympa tout ça. Hop, j'aimerais éviter de faire ça pourtant. Gaspille une flèche, c'est stupide. Tu me diras après, vaut mieux gaspiller une flèche qu'autre chose. Hein. Ok. Oh, le facochère il va pas être violent non plus. Ok, le facochère est violent. Alors, il y a un truc au-dessus. On va aller chercher un petit peu tout ça. Alors, ici, voilà. On y est. Un petit peu de bois d'aulne. Un petit peu de pierre classique, d'ardoise, pardon. Hop. C'est pas l'arbre en question? Non, il est là. Ok. Merde, je peux tirer une flèche au moins. Hop. On est chez nous, hein. Je comprends pas pourquoi ils sont là eux. Qu'est-ce qu'ils foutent là? On est à quelques pas de chez nous, on devrait avoir des gardes autour normalement, non? Enfin, je sais pas. Bon alors c'est moi qui me rends pas compte de distance. Mais quand je vois le peu de temps que j'ai passé à sortir de la ville, là, enfin de notre village, c'est un peu flippant quoi qu'il y en ait aussi près. Il y en a encore d'ailleurs.
Enfin. Excusez-moi, j'ai un sale tic avec mes dents en ce moment. J'ai un sale tic avec mes dents. Et c'est chiant. Alors. Hop. Voilà. Hop. Bon, alors déjà le bois on est bon. Ici on est bon. Là c'est bon. Là c'est bon. Là c'est bon, là on est full. Là on est full partout, parfait. Donc maintenant tout ce qu'on va récupérer ce sera de l'extra. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Je pense. C'est un blaireau. Non, c'est une dole. C'est une dole. J'ai pu récupérer ma flèche sur la dole. Hop, voilà. Oh, j'espère que c'était pas une rare, parce que 55 points d'XP, dole noire rare, d'accord, ok. J'espère que je l'avais pas. Tant qu'à faire. Dole rare, d'accord. Ok, non, c'est le loot Y qu'il me faudrait maintenant. J'ai pas vu des masses, j'ai l'impression. Hop. Chakui. Je sais pas ce que ça veut dire ça encore, mais ça doit pas être sympa. Ah, c'est pas l'aigle. Hop. Bien joué. T'as buté deux trucs mais je saurais pas dire quoi. Une dole. Et une deuxième dole. GG. Putain, c'est l'aigle qui fait le tour d'eux. Raté. J'aurais essayé. Continuons notre progression. Hop. Mangeons un coup. Ça va pas nous faire de mal. Y'a moyen de voir notre sac. Notre sac. Ah voilà, parfait. Ok. Je peux en transporter 20, 32, 16. D'accord. Donc là, il faudra mieux prendre trouver des silex. Ici, les os, on est bon. Les essaims d'abeilles, il faudra en trouver. D'accord. Donc je vais essayer de remplir tout ça, chers amis, moi. Et ensuite, on verra bien. Ah tiens, j'ai pas de peau de rhino à deux cornes. D'accord. D'accord, d'accord. Par contre, dans les choses qu'on peut confectionner, une ceinture de lancer de couteau, peau de singe, oui, effectivement, et peau de dents de sabre, d'accord, parfait. Là, il me faut des peaux d'ours des cavernes et des peaux d'ours de serre. D'accord. Là, il me faut des pierres du sud. Au niveau des sagas, il me faudra des peaux de poissons crocs, d'accord. Alors, ça, il va falloir que je fouille. Parce que ça, je vois pas du tout où est-ce que je vais pouvoir en trouver. Bon, bah, il y a du boulot, chers amis. Il y a du boulot. Eh bien, écoutez, les amis, on va se laisser là pour cet épisode, je pense. En tout cas, moi, je vais continuer à chercher un petit peu de. Sale bête. Hop, un petit peu de commandes d'objets, de choses, de bidules. Et on verra bien ce que je vais pouvoir y trouver dans cette région. Histoire de remplir un petit peu mes poches. En tout cas au maximum. Pour être prêt à repartir dans les prochains épisodes. Puisque là on a vraiment consommé, hein, pour le coup. Et faudra voir si je peux pas, au passage, récupérer plus de confectionner x2. Histoire de pouvoir être un peu plus léger sur les compos dont j'aurais besoin. Je pense que ça va être une nécessité. Il n'y a plus de place. Ce sont des easy là. Non, ce sont des alliés. Ce sont des alliés. D'accord. Pourquoi pas. Ah, attendez, des poissons crocs, il y en a peut-être par là. Tortue. Pas de poisson. De la simple ardoise, ça va pas me servir à grand chose. Ah, j'ai cru voir du jaune dans le fond de l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça? Du caca. Pas de poisson, il y a vraiment pas de poisson. Dommage.
Dommage, dommage, dommage. Ah moi il y a une zone là. Ah oui, effectivement. Il y a une hutte au bord de l'eau. Et dans la hutte il y a quelque chose. Ah oui, exact, 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 exact. C'est ce que j'avais cherché, j'ai jamais trouvé la fameuse hutte. Oui, 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 ça me dit quelque chose, ça. Ça me dit vaguement quelque chose. Bon! Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là, écoutez. On se laisse là pour cet épisode, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, dans votre lien dans la barre de la chaîne. Moi j'essaie de me téléporter au village. Mais apparemment c'est compliqué. Voilà. Hop. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus, bienvenue dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens. Et yop.